y est, il faut qu'on y aille. Cyrus nous a envoyé quelqu'un dans la journée pour s'en assurer. Cyrus veut pas qu'on vienne armé. Il veut pas de gros bras qui pensent qu'à la bagarre. Je lui ai donné ma parole que la trêve sera respectée par les Warriors. Comme tout le monde déclare que Cyrus est le seul et l'unique. Alors il vaut mieux aller jeter un coup d'œil nous. Asperge tout ce qui se voit de loin. Je veux faire savoir à New York que les Warriors étaient là. You never know what you run into out there. We're wearing our colors, you can't hide. So who wants to hide? Heads along the way. You just soldier and keep your mouth shut. Une fois là-bas, on restera collé, on se quitte pas, ok? Sois tranquille, je tiens pas à vous perdre. Moi, ce que je vois de plus intéressant dans la réunion de Cyrus, c'est qu'on pourra lever des inconnus. J'aimerais bien tirer un coup sur le chemin du retour, c'est vrai. You got a one-track brain, you know that? What's the matter, you going faggot? What do you know about Cyrus? Magic. Whole lot of magic. Qu'est-ce que tu penses de Cyrus? C'est le seul et l'unique. Quand on est président de la bande la plus redoutée, rien ne vous force à vous entourer de cons. Ah, fuck him. Ah, je lui pisse au cul. Tout ça, c'est du bluff. Je parie qu'à la manif, il y aura personne. Si ça, c'est pas l'ambiance, hein, après un générique comme ça, on est obligé de... C'est énorme, ouais. Ouais. Bonjour tout le monde, cette semaine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo coup de cœur, hein, une ouais. Petite vidéo sur un jeu qu'on aime beaucoup. Hein. The Warriors, bien sûr. Hein. Un jeu édité et développé par Rockstar et sorti en 2005 sur Play 2 et sur Xbox. Hein. Ouais, et après, il y a eu des adaptations PSP et PC. Donc, on va faire une petite vidéo, une mission pour vous montrer un peu le jeu, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et puis, pour ceux qui connaissent, on va faire un flashback... contre les Chinois, parce qu'on a envie de défoncer du Chinois à Chinatown, là on y va là. Cette mission nous plaît, elle est bien. Elle est sympa donc. La carte là. Donc voilà, regardez, c'est la carte de New York avec Manhattan, Bronx, et Brooklyn. Là. Avec tous les gangs. Hein. C'est parti. Donc bien sûr, ça fait référence, c'est une adaptation du film. Hein. Oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire, oui. Un film est sorti en 79. Ouais. Un bon film en soi. Un bon film, Bon film de baston, genre. On l'a vu après le jeu en fait. Ben c'est vrai qu'on connaissait pas trop et on regrette pas d'avoir vu le film après le jeu. Ouais, je trouve que ça aide à comprendre. Rockstar a énormément développé et travaillé le background de chaque personnage. Ouais, l'histoire et qui fait que une fois qu'on met le DVD de The Warriors, on connaît tout le monde en fait. On connaît tout le monde, on connaît l'histoire, on connaît tous les personnages. Et du coup, c'est mieux. Donc, on va écouter un petit peu, le jeu est en anglais mais sous-titres en français. Voilà, touche de Rockstar. Les dialogues sont assez croustillants, vous allez voir. Donc voilà, c'est Fox, le jeu de tout nouveau là, il veut rejoindre la bande. Ouais, c'est un jeu en fait. Ouais. We got a score to settle with the Savage Huns, and I want to hit him where it hurts. They're powerless. If you make it, obviously you're a warrior. If not, you're obviously a faggot. Hey, c'est ça, Jacques, hein, le macho. Et le raciste, un peu, tous les défauts, le brawler, il pense qu'à ça, se battre et. Hey Jax, you know, that ain't a bad idea. Soldier. Ouais. Almost forgot.
Donc voilà, bien sûr, on va aller niquer les Chinois, mais avec le t-shirt Fuck You Hans. Fuck You Hans, qui est le nom, mais Savage Hans, hein, le gang des Chinois de Jonathan. Jonathan, donc ça va leur faire plaisir, je crois. Je pense que ça va être un petit cadeau. Hein. Donc voilà, toujours la nuit, 22h. Le métro, et bien puis sûr. Le métro, l'incontournable métro. Bah, pour passer de Coney Island à Chinatown, ouais, c'est mieux. Voilà. Coney Island, c'est, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est le sud de la pointe de Brooklyn où il y a la plage là. Ouais. Mais Chinatown, c'est dans le cœur de Manhattan, bien sûr. Un petit chargement montré. C'est parti. Allez, c'est parti. On sort du métro. On sort du métro et là, et là faut suite, défoncer. On donc, est en Chine. Voilà, tous les W là, faut des points à péter là, donc c'est parti, on commence. Mais on va lui défoncer son stand dans notre connard là. Vas-y. Bien sûr, vous avez compris que si on l'a fait aussi, c'est parce qu'on peut jouer à deux, bien sûr. Hein. Ouais, c'est un jeu, bah ouais, un bon beat'em all. Tout seul on peut. Bah, c'est moins fun quand même. Moi je sais que j'ai conseillé de jouer à des amis, ils y jouent tout seuls. C'était pas tip top, alors que bon, à deux là, on peut faire toute l'histoire à deux, c'est un vrai plaisir. Quoi. On s'amuse bien. Il y a une sorte de split screen intelligent un peu. Ouais, eh bien, on va. Ça reste coupé. En plus, c'est un vendeur de flash, la drogue qui nous remet la vie. Bon, allez, il faut 20$, nous on a que 2$. Moi j'ai 2$, j'essaye, il veut pas apparemment. Donc pour la peine, mais je vais le savate, hein. Vas-y. Comme ça. Alors faut vite le défoncer parce qu'après, vous avez vu, il est sans son couteau là. Sans direct la lame, les mecs, c'est des fous. Ah ouais, c'est un fou, alors lui c'est. Mais bon, voilà, si on arrive à l'enchaîner vite fait, c'est bon. Vas-y, prends. Tiens là. C'est bon, t'as pris son couteau. C'est bon, allez, on y va. Avec son couteau là, c'est l'arme ultime. Non, voilà, Chinatown. Au fond, des Chinois. Donc voilà les Savage Hunts. What the fuck? Super Chinois. Pas content. Donc on va les défoncer. On voit quand même l'ambiance, c'est bien respecté de Chinatown. Hein. Les affiches et tout. Voilà. Donc, on peut bien sûr attraper les civils aussi. Il n'y a pas de règle dans ce jeu en fait. Non. Alors après les coups, ah, les carrés normal, carré triangle, attaque forte. Donc, carré croix. Carré croix, je veux dire, oui. Et. Triangle c'est le bouton action et rond c'est projection, donc tu attrapes le mec et tu le défonces avec l'environnement ou tu le tabasses, projection, il y a beaucoup de coups, c'est ça qui s'en va, il y a la palette. Tiens, lui je le plante, non, moi, je il rend, il y a du sang partout, ouais, ça gicle et tout, c'est dégueulasse. Ouais, c'est bien sale et tout, bah, nous on peut vous dire parce que cet été on allait à New York, les Chinamen se sont baladés un petit peu, ouais. Et c'est vrai qu'on est allé à Chinatown pour vérifier, bon c'est moins sale qu'avant. Il n'y a plus les gangs déjà. Ouais, il n'y a plus les gangs. Donc là on va dans un restaurant, vas-y, on va le défoncer. T'as vu, t'as un flash, t'as trois flashs là. T'as des réserves un peu, parce que le flash et la drogue, c'est nous. Mais nous récupère la vie en fait, hein, on se drogue. Vas-y, il est autour de ça. Le plante là. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé? T'as contré? C'est le vendeur là. Ouf. Donc on va lui défoncer son petit restaurant. Oh là là, le sang partout. Donc là sur le radar, vous voyez des Huns qui arrivent là, les points orange. Ouais. Donc là, je vais prendre le canard laqué là. Oh là là, alors lui il a un coup près direct. Ouais, c'est custo là. Très très agressif les custo. Alors je crois qu'on peut jeter les armes dans le cul. Oui, carré croix en même temps. Faut être un peu à distance comme ça, tu vises et tu... Oh putain, je me suis pris un coup de pied dans la tempe, mais de ouf. Oh là, moi je me fais découper. Alors là, il sort son balai carrément le mec. Et pareil, je vous prends la poêle. Oh là là là. Et je laisse... Allez, j'ai une super idée. Voilà. On prend le molotov qu'il y a là. Ah, c'est un poulet ça. Non, c'est pas ça. C'est pas le molotov. Il a... En plus, c'est un sac de farine là. Allez, tiens. Oh là là. Il me viole là. Allez, allez. Avec un lock. Cassez-vous là. Donc là, c'est un jeu où on appuie sur la manette comme un fou. Un gros beat'em all moderne, vraiment excellent quoi. Ouais, c'est bien sympa. Ah, c'est l'un des meilleurs. Je clignote, c'est-à-dire j'ai un spécial, je fais aller un rein et hop, j'active le fight, hein, c'est parti. Et là, je suis quasiment invincible pendant un laps de temps, je peux les défoncer, ouais, mes attaques sont plus puissantes. Coups, critiques quoi. Tu les tues les mecs. Je vais achever au sol, comme ça, le coup de genou. Bon, pour l'instant, je vais taguer parce qu'il faut taguer, regardez, Savage Jones, leur tag, mais moi je veux taguer The Warriors. Hein. Hop. En tout cas, le W. Hein. Clac. Des coups, oh là là, les coups de genoux, et là, terrible, regardez, il rampe. Pas très fort, on y va avec le stick. Et voilà, c'est bon. Alors là, il y a des galettes. Bon, je vais reprendre le canard, hein. Voilà, le moi. Voilà, moi je prends mon molotov, moi. Ah, on y va. Je vais tout faire péter. Donc regardez, véridique, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais, les rôtisseries, juste à côté, bon là c'est du porc, mais d'habitude c'est les canards ou les poulets. Ça sent super bon. C'est fait exprès. Donc là, on va le balancer, attends, je vais le balancer à distance. Vas-y, vise. Ça. Tiens! Comme ça là! Et là je peux dire, c'est pas free, c'est NEM et tout là. C'est... Ça brûle hein. Là! Là c'est, ça sent le cramé. Oh, putain, mais on se tape comme des. Comme c'est des bon, on l'a défoncé, c'est bon. Tiens, casse tout. Attention, des Huns. Attaque en courant, magnifique. Ouais, ça défonce bien ça. Il parle tout en chinois. Ouais, tout se casse. Leur action, c'est vraiment tout bien fait. Son jeu Rockstar, on a l'habitude de faire des jeux de qualité. Hein. Normal. Que ce soit les GTA, les Manhunt. Red Dead, plus récemment, mais là, à l'époque, sur Play 2, regardez, avec même Bully, hein, Canis, Canel, me dites. Hein. Ouais. Là, il sort encore son coup près, mais c'est abusé. Va-t'en, toi, donne-le-moi. Méchant.
Voilà, et puis quand on les tue, il y a de l'argent. On peut s'attaquer aux civils aussi, leur, les raquettes. Il y a beaucoup d'armes et tout, donc là c'est parti. Deuxième petite partie de la mission, parce que les missions sont, ça va quand même. De bonne durée, on va dire. Hein. Si on veut se battre, parce que c'est un peu un environnement un peu ouvert avec les rues, si on veut se battre, on en a pour longtemps. Hein. Après, il y a des objectifs secondaires. Et ouais, tout, c'est tagué, tout ça, mais bon, c'est plutôt bien. Il y a du monde, hein, comme la puissance mathématique, ils sont moins une trentaine, et là on est deux, et là direct, je me prends un surfstaki dans la tête. Alors moi je les prends en coup. Oh là là. On est en surnom. Regardez le sang qu'il y a par terre. On se demande si le sol était blanc ou rouge. C'est pareil. Là, moi je suis par terre avec les autres, c'est impressionnant. Alors moi je peux pas les jeter. Ils volent pas. Là vaut mieux les jeter. Ouais, tu fais bowling en fait. T'en jettes un sur la droite. Oh là là, les kicks en courant, c'est horrible. Hein. Putain, je sais plus comment on se protège. Vas-y, dis-moi, je m'en plus. L1 ou R1 hein. L1 c'est pour viser. Mais R1, mais c'est L1 pour se débattre. Bon, alors. Alors, mets des mandales, allez, venez. Faut que je me soigne. Voilà, sur la flèche de droite, on prend du flash. C'est le petit éclair en dessous de notre affichage, donc toi t'en as plus, apparemment. Putain, c'est vraiment des fous, les chinois. Oh là là là, mais encore quoi. Hein. Putain, on aurait dû aller acheter du flash quoi. Moi, je prends la poubelle. Oh, putain, oh là là là, faut que je me sorte. Oh là 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 là. Mais ils sont terribles. Tiens. La fouf. Puis le tesson, on les plante. Oh là là, mais ils sont vraiment ultra agressifs. Lâche rien. C'est un bon beat'em all, de toute façon ça défonce tout le temps. Ouais, excellent jeu. C'est cette mission en particulier parce qu'il y a beaucoup de fights. Ouais, souvent du fight, hein. En fait, ouais. On choisit le gong contre qui on se bat. On avait envie de vous faire du chinois donc. Mais on en fera d'autres hein, si ça vous plaît. Ouais, mais ouais, c'était une vidéo de cœur. Après, si le jeu vous plaît et que vous connaissez pas trop, que vous connaissez que. Vous avez envie de voir du jeu. Vous avez envie de revoir du jeu, mais pas de problème, vous nous le dites dans les commentaires et puis on fera avec plaisir cette vidéo. De toute façon, ça nous fait plaisir, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo coup de cœur. Ouais. Hein. C'est un jeu, mais voilà, ça fait 5 ans que sorti, on l'a filmé peut-être 3-4 fois. Et regardez, on y joue de temps en temps encore, bien sympa. C'est pas gagné, parce qu'au début, hein, quand il était annoncé et tout, on avait pas mal dénigré, qu'on voulait pas en fait. Hein. C'est vrai que la presse, la critique presse ou internet n'avait pas très bien noté, on va dire. Jeuxvideo.com, j'ai vu, il a noté 13 sur 20, je crois. Gamekult ou Play France a noté 7 sur 10. Gamekult 6, ouais, tout comme ça, quoi. Mais bon, voilà, après Rockstar, face aux critiques, ils savent répondre tout de suite. Hein. Ils avaient baissé le prix tout de suite. Et moi, je sais que bon, le jeu, nous, on l'avait acheté plus tard, on l'avait pas acheté tout de suite. Hein, parce que bon, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, vous n'avez pas forcément intéressé. Sous l'ambiance, en fait, on n'avait pas. Oh, c'est pas trop. Et bien, du coup, on l'avait acheté. Et véridique, hein, je l'ai acheté 9€ à la Fnac. Hein. Un truc de fou. Hein. Là. Par là, tu peux monter. Ouais, je peux monter par là. Ouais, donc 9€ quand même. 9€, et c'est Rockstar, ça. Ouais. Et le DVD, je crois que j'ai dû l'acheter pareil aussi, à peu près. Hein. Ouais, donc, on l'a vu après, on vous le conseille. Je vous conseille d'aller voir le film hein, si vous voulez pas jouer au jeu. Bon, c'est vrai que le film est. En fait, le jeu est avant le film. Ouais, trois quarts au moins, même plus avant le film. Après, donc, c'est ça qui est bien sympa en fait. Rockstar a pas fait. Servi du film, la base du film et a travaillé film, énormément en fait, dessus. Hein. Quoi. Ouais. Donc, ça c'est vraiment bien. Bon, on va faire la vidéo en deux parties. Hein. Ouais. Et donc, on va se retrouver après cette partie. Hein. Ouais, là c'est. C'est une phase d'infiltration. C'est l'infiltration, c'est ça. That's the deal we want. Cleon says that anything that comes in or out gets marked down in the ledger. There. See that shit? We gotta steal that notebook. Come on, let's do this. Dolores, ça fait un petit moment que je voulais vous. Ah! On ne vole plus! A tué mon père à tac! T'as mourir! Hubert, qu'est-ce qu'il vous veut? Ma foi, je l'ignore, je ne le connais pas. Cet avion sera ton cercueil. Où était sans bidette? The only compass that I need is the one.